Salut tout le monde. Je suis Lil Sako, enfant du bas quartier de Conakry. Mon rêve, qui est aussi véritablement mon combat, est celui de lutter contre la pauvreté et guider la jeunesse de mon pays vers un développement durable et consistant. Tout cela à travers mon art. J'invite donc la population de Guinée à se joindre à moi à travers ce concert caritatif le lendemain de la fête de Ramadan à partir de 14h au stade de Colère pour mobiliser des fonds qui changeront la vie des plus démunis de notre très chère nation. Ce n'est pas qu'un devoir, une passion, mais un acte humanitaire et de patriotisme. Rendez-vous le lendemain de la fête de Ramadan à partir de 14h au stade de Colère. Je vous voilà y attends. La famille, rendez-vous le lendemain de la fête de Ramadan. Et à partir de 14h, franchement, moi, Lil Sako, nous, on a été les premiers blogueurs à critiquer la musique de Lil Sako. Moi, je suis pas un hypocrite. Je parle à ce que je vois et j'exprime en fait ce qui est au fond de moi. Donc il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a rien. Lil Sako aujourd'hui, c'est un mec. Il faut l'encourager. À travers toutes les critiques qu'on a fait par rapport à sa musique, il s'est servi de ses critiques pour en faire une force à lui. Ça le fait grandir. Lil Sako, c'est un artiste. Aujourd'hui, il faut se le dire. Moi, je ne dirais pas tous les artistes. C'est l'un des artistes guinéens aujourd'hui qui a de l'ambition vraiment à aider la jeunesse guinéenne. À travers les actes qu'il pose, il a créé une fondation pour aider les gens. Ça, c'est des actes à saluer. On a vu, lorsqu'il y a eu l'incendie au dépôt de Kaloum, le premier artiste qui est sorti à travers les médias et les réseaux sociaux, c'était Lil Sako. Il a fait des dons. Tout le monde a vu ce qu'il a fait. Pendant ce mois de Ramadan, ceux qui sont sur les réseaux sociaux aussi, vous l'avez vu. Sous Narati, il est sorti dans les quartiers, il a donné à manger aux gens. Et ce concert aussi, en tant qu'un concert caritatif, pour aider les enfants démunis, les enfants qui ne sont pas scolarisés, c'est le but du concert. Donc la famille, nous on vous invite. Sortez au maximum le lendemain de la fête de Ramadan. Allez-y, vous allez le soutenir. Donnez-lui de la force. Quelqu'un qui est petit, aide-le à grandir. Pour l'instant, il n'est pas quelqu'un. Dieu merci, il gagne ce qu'il mange. Il aide certaines personnes. Mais l'ambition d'un être humain ne finit jamais. Même le plus grand riche au monde, il a de l'ambition, il veut encore toujours gagner. C'est pour cela que je dis, un homme petit, il faut toujours l'aider à grandir. Donc, l'ambition d'un être humain, ça finit jamais, jusqu'au jour qu'on va mourir. Voilà, donc il faut lui donner de la force. Sortez au maximum. Le lendemain de la fête de Ramadan, à partir de 14h, pour soutenir Lil Sako. Voilà, donc partagez au maximum la vidéo. Grosse force à vous, la famille. On est ensemble. Ah, ah.